Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer une aire à l'aide du rapport d'une homothétie. Homothétie, vous savez déjà ce que c'est, puisqu'il y avait une vidéo juste avant celle-ci. Alors voici une homothétie d'un triangle ABC qui est ici, de centre D et de rapport 2. C'est-à-dire qu'on a multiplié toutes les longueurs de ABC par 2 et on a aussi multiplié la longueur DB par 2 pour avoir DB' qui est deux fois plus grand. DC a été multiplié par 2 pour avoir DC' qui est deux fois plus grand. Et DA a été multiplié par 2 pour avoir DA' qui est plus grand. J'ai affiché ici sur GeoGebra l'aire du grand triangle et du petit triangle. Et on s'aperçoit eh bien, qu'elle n'est pas identique, ça c'est sûr, puisqu'on a affaire à un agrandissement en fait, du petit triangle sur le grand triangle. Donc en fait, on l'avait déjà vu, on s'aperçoit ici que les deux triangles ils sont semblables, ils vont avoir les mêmes angles, parce que leurs côtés sont proportionnels, étant donné que leurs longueurs ont été multipliées par 2. Donc ici, la question c'est, quelle est la relation qui va lier l'aire du petit triangle et l'aire du grand triangle, l'image étant le grand triangle. Eh bien en fait, si on regarde bien, l'aire du petit triangle, ce qui fait 7,6, eh bien si je le multiplie par 4, ça fait 30,2. Alors, comment est-ce que je sais que c'est par 4? Eh bien, en fait, c'est là le point essentiel de la vidéo, c'est qu'on sait que le rapport de l'homothétie, je l'ai déjà dit, c'est 2. Donc, on multiplie toutes les longueurs par 2. Eh bien, le principe, c'est le suivant. Si je multiplie toutes les longueurs d'une figure par 2, eh bien, son aire, elle va être multipliée par 2 au carré. Donc, en fait, 7,6, il est multiplié exactement par 4. Il était multiplié par le rapport de l'homothétie par 2. Et comme toutes les longueurs sont multipliées par 2, eh bien, l'aire, elle est multipliée par 2 au carré. Ce qui fait bien 7,6 fois 4, donc 30,2. Et ça, c'est une propriété qui va être vraie pour toutes les homothéties et tous les rapports d'homothétie. Si j'ai le rapport d'une homothétie et que je veux calculer l'aire de l'image, eh bien, j'ai juste à multiplier l'aire de la figure de base initiale par le coefficient élevé au carré. Maintenant, à quoi ça sert exactement? Eh bien, voilà le genre de problème que nous pouvons avoir à résoudre. On a affaire à une homothétie de centre O, ici, de rapport 0,7 du quadrilatère ABCD, dont l'aire est affichée au tableau, qui est 10,2. Quelle est l'aire du petit quadrilatère A', B', C' et D'? Eh bien, il suffit pour ça de multiplier cette aire-là qui est 10,2 par 0,7 au carré. Et si on fait ça à la calculatrice, cela donne 4,998 cm², environ 5 cm². Voilà à quoi sert cette petite vidéo. On multiplie les aires par le rapport au carré.